Live. Et Bonjour. Alors, donc, ce Shadow News était assez clair. Le but, c'est de répondre aux questions techniques, de dire un peu tout ce qui se passe en ce moment et, euh, et de raconter, en fait, où est-ce qu'on est techniquement. Donc, on vous a demandé euh, sur Twitter qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous aviez comme question. Sur Discord également. On a reçu pas mal de questions. Donc, j'ai un... Ici, devant, devant vos yeux, j'ai un ordinateur avec plein de questions à l'intérieur. Et donc, on va les déplier, en fait, les unes après les autres. Mais d'abord une petite introduction. Je suis ici avec Yanis, donc Yanis qui est là depuis le début. Tout à fait. Que on a rencontré quand il était encore euh, dans quand quand chez un le mal. Quand j'avais encore une tétine dans la bouche et que. C'est ça. Euh, et qui a décidé de nous rejoindre parce que euh, il travaillait au départ pour nous et il avait vu que c'était mieux de travailler chez nous. Voilà, exactement. Voilà. À quel moment je te mets vraiment l'affiche euh, et, et donc. <laughs> <C 'est> euh... <laughs> peur de rien. <laughs> et donc, et donc, euh, au départ, tu étais occupé de toute la partie marketing. Maintenant, tu t'occupes de vérifier que Shadow marche ouais, bien. Ouais, mais c'est vrai que ça marche à peu près correctement. Exactement avec les sont contents et qu'on arrête de dire que shadow euh, c'est bien quand ça marche en fait ça marche tout le temps voilà ça marche tout le temps shadow bah c'est enfin, ton rôle. C'est mon rôle. voilà. Et donc tu as vu un très très gros progrès depuis trois mois. Voilà. Et donc justement la plupart des questions, ça va être Yanis qui va, qui va s'en occuper et qui va y répondre. Parce que c'est aussi toi qui as fait ah toute non, la je roadmap. Je poser des questions, c'est toi qui réponds. D'accord si tu veux. <laughs> mais qui a fait aussi la roadmap publique. Et qui ouais, a eu ce ouais, genre d'idée. avec toutes les, toutes les équipes euh, produits, marketing et dev, évidemment, pour euh, proposer une roadmap publique et vous dire un petit peu sur quoi on bosse en ce moment et comment on fait pour améliorer le produit le plus rapidement possible et le mieux possible et le plus intelligemment possible. D'accord. Voilà. J'ai tout compris. Alors... Les, il y a des choses dont on ne parlera pas ce soir. Donc on commence par ça dès le départ. Vous avez plein de questions sur les prochaines configs. Vous avez plein de questions sur le stockage. Vous avez plein de questions sur les prix. Vous avez plein de questions sur un milliard de choses comme ça. On ne va pas en parler ce soir. On a une conférence de presse qui arrivera fin octobre, début novembre. Je ne donne pas de date extrêmement précise. On est en train de travailler là-dessus. Là, on va annoncer tout ça. D'ici là. Il n'y aura pas d'informations qui vont fuiter ni par moi ni par le reste sur le stockage, sur les prix, sur les types de configuration, sur les, euh, sur les éléments. La seule chose qu'on peut vous dire, effectivement, c'est que, évidemment, c'est des RTX à l'intérieur. Voilà. Donc, euh, Attention, de, déjà, tu commences à déborder. Donc, donc ça, commence, ça commence à déborder <laughs> un peu. Mais voilà. Donc, euh, on, ne parlons pas de ça. On revient sur l'état shadow technique aussi. On parlera de plusieurs choses aujourd'hui. On parlera du test. Donc qu'est-ce qui se passe que, que, Quel va être le process pour le test Où est-ce que ça en est Est-ce qu'on va revenir sur les histoires Est-ce qu'on peut switcher de sa VM de base à la VM actuelle Comment on le fait Qu'est-ce qui se passe pour le stockage supplémentaire pendant le test Enfin, dans tous ces sens-là. Oh, regarde Vincent Bachelet qui te dit des choses. Oh, Il est mignon. Donc voilà. Première chose, on va parler donc du test. On va parler de la VR. On va parler de, de, des nouveaux défis techniques qui vont arriver. On va, on va parler également de cette roadmap voilà. et de pourquoi Shadow, qu'est-ce qui a bougé chez Shadow depuis trois depuis mois. Et, qui et ensuite, on semaines, va répondre à vos questions. Les Ça fait déjà un bon Shadow News. Voilà. Et on parlera de la Ghost également. On attaque Vas-y. Alors, je te, je te propose de commencer juste par un petit résumé de qu'est-ce qui s'est passé sur les trois derniers mois chez Shadow. Parce que, alors, il y a pas mal de messages, et vous pourrez le dire dans le chat d'ailleurs, si effectivement Shadow marche beaucoup mieux depuis 3 mois pour vous, si vous avez vu une différence, donc vous répondez facilement oui, si vous avez vu une différence non, si vous n'avez pas vu de différence. Mais euh, en gros, depuis 3 mois, il y a plein de gens qui me disent euh, ça marche vachement mieux. Alors effectivement, nous on était. Euh, oui, T'as bon vu si. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui trouvent que Shadow ça marche quand même beaucoup beaucoup mieux depuis, depuis 3 mois. Euh, alors pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé c'est marrant parce que il y a trois mois, enfin, de, quand même, je voudrais le dire devant tout le monde il y a trois mois, c'est le moment là où tu es arrivé en disant je vais m'occuper de ça. Et je vais les produits. aider. Je vais les aider, pardon. Voilà. C'est un travail d'équipe. Il y, y a plein de plein personnes au produit qui ont fait ça voilà. et qui ont euh, qu on vraiment changé la Au produit, de... au dev, etc. Et l'objectif, okay. ça a vraiment été de se dire on va se mettre dans la peau de l'utilisateur et on va lui donner beaucoup plus de retours sur ce qui se passe dans Shadow lui donner plus d'informations, essayer de lui, lui faire comprendre quand quelque chose marche pas, pourquoi ça ne marche pas, essayer de lui dire quand il a branché quelque chose que c'est effectivement branché, euh, et notamment bosser sur tout ce qui est micro, qui était un des gros problèmes qu'on avait, donc euh, retravailler totalement la façon dont on fait marcher le micro, comment on l'active, euh, et comment ça marche sans avoir aucune intervention utilisateur autre que dire ok je veux que ça marche. Euh, on est en train de faire exactement la même chose sur les écrans sur euh, la partie manette également, donc c'est des choses qu'on a annoncées pour la fin du mois de septembre, euh, spoiler alert, on est un peu en retard, mais pas beaucoup, de quelques semaines, euh, et après il va y avoir donc, tout ce qui est qualité qui arrive encore dans, le, dans, les, dans les semaines à après, notamment la qualité dynamique pour améliorer le flux vidéo, et je ne vais pas tout spoiler non plus, mais il y a encore aussi d'autres choses sur l'audio. Euh, dans les choses qui sont sorties cette semaine, on a donc sorti tout ce qui est euh, visibilité pour vous sur ce qui se passe au niveau du data center pour que vous sachiez s'il y a une maintenance en cours euh, ou s'il y a un incident qui arrive, etc., ou une maintenance à venir également. On, on a sorti également cette semaine une bien meilleure gestion des erreurs au lancement. Donc ça, c'est vraiment un des gros boulots qui a été fait cet été. Euh, et ça, je sais que ça te tient à cœur et que ça tient à cœur à beaucoup de gens c'est qu'à chaque fois qu'on appuie sur démarrer, ça démarre. Euh, c'est pas encore parfait mais c'est nettement meilleur que ce qu'on faisait il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs mois. Et tout ça, on arrive à le faire parce qu'on a pris beaucoup de recul sur ce qui se passait. On a énormément récupéré de métriques pour voir où, où ça n'allait pas et, et faire avancer les choses. C'est ça. Et donc le mot d'ordre, ça va être on arrête de faire de nouvelles features complètement. Exactement. On se concentre sur quatre points. Le fait que quand on démarre à dos, bah, ça marche. Mm -hmm. C'est bête, hein, mais c'était effectivement un point un peu problématique. Quand on démarre à dos, ça marche. Le son s'améliore fortement des deux côtés donc de on parle micro micro et, euh, et le son en général mmh. que l'image s'améliore aussi fortement en qualité et que la stabilité soit beaucoup plus forte voilà. et beaucoup plus euh, et voilà donc ça c'est ce qu'on a fait et on arrive à un niveau qu'on va toujours améliorer évidemment mais qui va continuer. Alors je lis tout ce que vous racontez je répondrai aux questions plus tard en même temps que toutes les questions que vous avez posées avant avec une priorité sur les questions qui ont été posées avant évidemment donc c'est plus à ce moment là que vous pourrez poser toutes les questions. voilà yes. euh, donc ça c'est le shadow euh, d'aujourd'hui. Et là d'ailleurs, la, la, le prochainement sur la roadmap, tu as parlé des manettes. Il y a quoi d'autre sur les gros, gros sujets qui arrivent Donc il ouais, y a la meilleure gestion des manettes. Donc Pour venir, revenir un petit peu dans le détail, l'idée c'est que quand vous connectez une manette, on va vous dire qu'elle est connectée directement. On vous dira si c'est une manette PS4 ou une manette Xbox ou une manette compatible Xbox, puisque en gros ça recouvre à peu près 100% du marché. Euh, ça permettra notamment, s'il y a des jeux qui supportent nativement les manettes PS4, d'avoir des manettes PS4 dans les jeux. Ensuite. Euh, va arriver juste après, euh, donc ça, ça va rentrer en alpha la semaine prochaine, c'est toute la gestion de dynamique des écrans. Euh, ça, c'est quelque chose qui, personnellement, me tient très à cœur, puisque moi, j'ai un Mac au bureau, euh, chez moi, j'ai une Ghost. Euh, donc, je passe tous les jours, à peu près deux minutes le matin et deux minutes le soir, euh, quand j'arrive chez moi, pour changer ma résolution et me dire que c'est vraiment très bête et qu'en fait, on devrait le faire dynamiquement. On est en train de le régler. Euh, ça paraît très simple, mais c'était une problématique qui est hyper compliquée, parce qu'on euh, doit effectivement récupérer l'information de l'écran, la retravailler, la transmettre à la machine dans le data center, s'adapter exactement à ce que vous avez et à ce que vous voulez, et, euh, et donc avoir un truc qui est, euh, qui est dynamique quand on s'y connecte. Et ça, je pense qu'on n'en a pas encore parlé, mais ça je peux vous le dire aujourd'hui, je peux vous l'annoncer. Ça marchera même entre deux écrans, c'est-à-dire que si on déplace sa fenêtre de shadow et que vous avez deux écrans de connectés à votre machine, vous allez la déplacer. Si les deux écrans n'ont pas la même résolution, il va changer dynamiquement la résolution. Ouais, alors justement, on va y venir parce qu'il faudrait déjà qu'on ait le double écran pour ça. Non. Déjà, <laughs> avec sa fenêtre Shadow, la déplacer d'un écran à l'autre. Quand on a deux écrans et qu'on veut mettre par exemple son, son MacBook qu'on le branche à un écran externe, on le déplace et hop, ça ah, se met directement à la bonne résolution. Okay. Pardon. Sans parler d'écran, d'extra screen, de double écran, etc. Ok. clair. D'ailleurs, alors juste pour finir un peu là-dessus, on est devenu donc on est devenu une grosse boîte, on devient ce qu'on appelle data-driven, n'est-ce pas Data-driven, ça veut dire que on vous pose des questions, on fait des questionnaires. Alors vous l'avez peut-être vu là, on vous demande est-ce que vous conseilleriez Shadow à un ami, qu'est-ce que voilà, et et vous avez même, à la fin des sessions, ce qu'on appelle un, fin un feedback de fin de session. Vous pouvez mettre une étoile, cinq étoiles, etc. Donc, on s'aperçoit que effectivement la note qui était en moyenne de 3,7 sur 5, donc des grosses informations sur ce que vous mettez sur les notes, a légèrement embotté et passé vers 3,8 ou 3,9. <laughs> et surtout, le end of session feedback, euh, le, pardon, le, euh, le NPS, donc le score que vous mettez à chaque fois, est-ce que vous avez conseillé Shadow à un ami Et passer de 35 à 47, ça veut dire qu'il y a 47% d'entre vous qui mettent une note entre 8 et 10 c'est À peu près ça, exactement donc c'est beaucoup <laughs> euh, et beaucoup moins qui mettent enfin euh, voilà. Non, en fait, c'est même pas ça. Bah en fait, c'est en, en, surtout... en, de ne... euh, en dessous de 8, on est neutre, c'est ça. Je crois en dessous de 6, c'est carrément des voilà. enfin, À partir de 6, donc, euh, donc on a très peu de détracteurs et euh, beaucoup qui mettent en, entre 8 et 10, c'est beaucoup pour donner une un indication. On est à 45, donc euh, HP ou Asus ou d'autres marques comme ça en général, ils sont dans les aux alentours de 30. Voilà. Donc euh, ça marche Mieux, on va dire beaucoup mieux. Alors on va pas s'arrêter là, mais, euh, mais ça fait plaisir en fait. C'est euh, mmh. un, bon, un très bon moment pour euh, avoir passé nos vacances un peu au travail pour certains mmh. développeurs de, de mmh. voir que, que ça donne une certaine reconnaissance. Exactement. Et puis on passe beaucoup de temps à, à lire tous les messages des gens qui nous disent bah, euh, ça lag, à analyser, comprendre pourquoi est-ce que ça lag, pourquoi est-ce qu'ils ont une expérience qui n'est pas bonne. Et c'est en se battant là-dessus qu'on arrive à faire des, des belles choses. Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a pas mal de gens qui alors le, le NPS descend à cause de certaines choses, par, par exemple le stockage. Donc euh, le stockage ou le manque de performance. Dans ces cas-là, oui, effectivement, il faut euh, on, on est dessus. Et donc c'est pour ça qu'on va faire notre grande conférence de presse, entre autres. Mais ça, c'est un autre sujet. Ok, euh, parlons un peu euh, justement quand on est sur les trucs techniques. Le second screen. Alors il y a pas mal d'entre vous, il y a pas mal de questions qui sont au rapport du second screen. Euh, est-ce que, quand est-ce qu'on va avoir enfin, enfin du double écran, qui est un peu la bataille du CEO L'extra ai... screen ou le double écran Alors, alors c'est quoi la différence et quand Alors, l'extra screen, c'est très simple. Il faut avoir deux ordinateurs, deux clients, soit deux, un téléphone, un laptop et une ghost, etc. Deux, de connecter en même temps. Mm -hmm. euh, et l'idée du double screen, c'est d'avoir les deux écrans connectés au même device. Voilà. Alors évidemment, quand on fait quelque chose comme la gestion avancée des écrans et mieux gérer les résolutions à la volée... On sent qu'on entend des excuses là. Non, on fait ça pas pour rien, on fait ça aussi en se disant que si jamais on mettait deux écrans, et que tous les jours, tous les matins, si je devais configurer deux écrans et changer la résolution deux fois, là, clairement, j'aurais juste envie de jeter mon shadow. Donc si on fait cette gestion dynamique des résolutions, c'est peut-être aussi pour pouvoir débloquer ce genre de choses. Oui, mais il est déjà dans l'alpha, c'est ça le... Il arrive en alpha lundi. Il alpha. est déjà dans l'alpha, le extra screen. L'extra screen, oui, mais le, la gestion dynamique des résolutions. Ouais, la gestion dynamique arrive dans l'alpha. Je ne sais plus comment on l'a exactement dans, dans la roadmap. Mais, euh, Support mm... avancé des écrans, je crois. D'accord. Mais on a déjà l'extra screen sur l'alpha. Oui. Et ça, il arrive en bêta. Et tous, tout les, normalement... gens qui... et tous les gens qui l'ont testé en alpha diront bah c'est bien, mais alors la, la façon dont ça s'utilise, c'est insupportable parce que bah on doit changer la résolution. Quand on se connecte, on doit, changer, on doit redéplacer la fenêtre, etc. Et ça, bah, ce sera fini. D'accord. Et donc, on pourra, après, on pourra sans doute sortir dans les semaines après l'extra screen correctement. Alors, je ne veux pas balancer, mais Arnaud m'a dit d'ici les deux prochaines semaines. Si le display management fonctionne bien, peut-être. D'accord. Après, ce n'est pas lui qui décide, tu sais. C'est toi le produit qui C'est toi qui décide. <laughs> ok. Euh, <laughs> le, la VR. La, pardon, avant mmh. l'HDR, j'avais d'autres questions sur le, le HDR. Alors, HDR. Petite précision, l'HDR. Ah oui, le, pardon. Avant, on vient, on vient sur le, vient sur le double écran. Donc, on a parlé de l'extra screen, le double écran. Est-ce qu'on aura du double écran Alors, pour l'instant, on n'a qu'un seul boîtier qui fait double écran. Donc tout Parce à fait. Le, euh, et on a un seul boîtier qui fait double écran, okay, euh, qui est le premier boîtier. Euh, pour l'instant, comme il y a, sur le premier boîtier, il y a un très petit nombre de personnes en plus qui ont besoin du double écran. Euh, C'est pas une de nos priorités. Et donc, on n'a pas mis. Maintenant, si on a un million de messages de gens qui disent je veux du double écran sur la box V1, on sera obligé de s'y remettre sérieusement. Mais là, pour l'instant, malheureusement, ça demande encore pas mal de boulot. Donc, on l'a dépriorisé sur les différents trucs. Et on comptera les MP chez Emmanuel voilà. sur Discord N'hésitez pas à envoyer plein de MP sur Discord <laughs> si vous avez besoin du double écran sur la box V1. Euh, pour l'instant, malheureusement, c'est un peu. Oui, effectivement, Jacques Chirac est mort. On est vraiment triste. Tout à fait. C'était le président de tous les Français. Merci. Euh, ensuite, euh, HDR. Donc, HDR. Il y a d'autres <laughs> questions sur HDR. Il y a quand même quelques. De, je veux de double écran sur euh, sur, euh, sur le sur la box 20. Oui, je sais que. En fait, tous les early le demandent depuis trois ans. Euh, mais. Euh, Est-ce que tu vois ce que ça fait un million d'arména <laughs> Non, mais en vrai, euh, voilà. Il, on a besoin de savoir combien de personnes ont vraiment besoin de la feature. Est-ce que c'est est -ce est effectivement 10 personnes Et c'est grave, hein, mais est-ce que c'est 10 personnes ou est-ce que c'est -ce est, est 200 ou 500 ou 1000 personnes Donc n'hésitez pas à me, à me MP sur Discord pour dire je veux le double écran sur la box V1. La box V2, il y a pas de... sur la Ghost, il n'y a, de a pas de deux sorties d'écran. Donc on peut avoir le double écran sur la Ghost. Int, il faut acheter deux Ghosts. Donc n'hésitez pas. Là, ou alors il faut avoir un smartphone à côté ou il euh, faut, euh, faut avoir un autre laptop ou euh, voilà. Mais je suis d'accord que dès qu'on a, qu a un peu de temps disponible, qui n'est pas pour travailler sur la stabilité ou ce genre de choses, on, a, on travaillera sur activer la, le double écran sur la box V1. Surtout que c'était une promesse de il y a longue date, n'est-ce pas euh, Je ne suis pas hyper fier là. Euh, ensuite, le HDR. Le HDR, euh, en fait, ce n'est pas très compliqué de faire du HDR, mais ça ne sert à rien. Là, pour une raison très simple, c'est que d'abord, il faut savoir que les streams, de façon générale, casse la qualité de l'image. Donc, je ne vais pas rentrer complètement dans les détails, mais une image, normalement, c'est en 4-4-4. Nous, quand on... Enfin, nous, tous non, les... tous les euh... en train de rentrer en plein détail. Ouais, tout, tout... <laughs> <laughs> toutes les méthodes de compression euh, perdent la qualité de l'image et la passent en 4-2-0. Donc, y... nous, la première chose qu'on voudrait faire, c'est revenir en 4-4-4. Donc euh, à partir du 4-2-0, dit... revenir en 4-4-4. C'est plus important que de l'HDR. Et mettre de l'HDR autrement, ça sert à part avoir un, un joli truc marketing, on est HDR, euh, on a de l'HDR, ça sert un peu à rien du moment qu'on n'a pas du 4-4-4. Donc, euh, donc la première chose, c'est de venir en 4-4-4. Moment, on a plusieurs méthodes pour le faire, mais pour l'instant le problème c'est que non, ce n'est pas une position de football. Mmh. Pour ceux qui euh, voudront avoir plus de détails là-dessus, je vous laisse regarder euh, mmh. euh, ou poser vos questions sur Discord. Il y a plusieurs méthodes de le faire, mais pour l'instant ça demande un certain nombre de hardware. Et donc pareil, le nombre de hardware qui est capable de le décoder est assez petit. Donc on est en train de regarder si on peut le décoder en software, on va faire des tests probablement semaine prochaine ou semaine d'après pour voir si ça bouffe beaucoup de processeurs de, de, faire, de, la, de, de faire du décodage software. Et ça implique donc qu'on soit capable de détecter ce qui se passe chez vous pour pas essayer de vous envoyer un flux que vous pourriez pas décoder et que vous ayez pas d'image en fait, tout simplement. Donc on fait en parallèle, on développe un test qui va tester le hardware chez vous au lancement de votre launcher et qui dira, ok, alors ça tu peux pas faire, ça tu peux faire, et qui donc nous permettra au moment où on aura fini de le coder et de le tester, de vous lancer le 4.4.4 voilà. si vous le supporter. Donc on est en train de regarder ça, on est en train de regarder combien de personnes peuvent décoder du 4.4.4 en hardware, et donc ensuite, s'il euh, faut le faire en software. Et non, on ne passera pas en 6.6.6, même si c'est assez intéressant et ça permet de faire une bonne pause. Euh, J'ai vu la question sur la virtualisation, on va parler de la virtualisation juste après. Euh, ensuite, bah tiens, on peut parler de la virtualité. On va on finit sur les couleurs. et tout ouais. ça. On, on est aussi en train de travailler, donc je l'avais expliqué un petit peu en Shadow News précédemment, sur comment est-ce qu'on va vous donner plus de pouvoir sur le paramètre des couleurs, parce qu'il y a aussi, euh, quand même, sur le, le, le visuel, il y a aussi beaucoup de ressentis, et il y a des choses qui sont euh, dépendantes de chacun d'entre nous. Euh, donc on veut vous donner un peu plus de possibilités de régler les couleurs, si vous préférez avoir une image un peu plus rouge, une image un peu plus verte, une image un peu plus de la couleur que vous voulez, euh, et augmenter le contraste, la luminosité, si vous en avez besoin. Donc là, on est en train de développer ça. Euh, et ça arrivera euh, je crois fin novembre, quelque chose comme ça. C'est dans la roadmap publique aussi. Euh, et sur l'image, après il y a la qualité des Il y a quelqu'un qui dit que Shadow est beaucoup trop sombre. C'est voilà. vrai, j'ai déjà entendu cette remarque et une ou deux fois. Ça fait partie des choses qu'on pourra régler avec ça. C'est Ce euh, fin novembre. Ce fin novembre, d'accord. Euh, ensuite, euh, on passe au ghost. Il y a pas mal de questions sur ghost, euh, surtout sur la disponibilité des ghosts. Donc la on aura à nouveau un batch de ghosts. Dans deux semaines, on le lancera au prochain Shadow News. Donc euh, soyez présents, soyez, euh, soyez là. On va annoncer la disponibilité des Ghosts mmh. à ce moment-là. D'un nouveau d'un nouveau d'un nouveau, <laughs> euh, nouveau badge de Ghost. Donc euh, d'ici deux semaines et à ce moment-là, on pourra, on pourra commander directement la Ghost. Voilà. Il est, là. il est là, Victor. Regardez. Victor est juste à côté. Évidemment, c'est son Shadow News. <laughs> euh, le la possibilité de lancer des VM De, de lancer des VM euh, euh, MB, Enfin de, de lancer D'une VM dans une VM Qui serait super utile pour les développeurs que, euh, De la même façon Ça a pour l'instant été dépriorisé On, on va re-regarder ça à un moment Mais dans la, dans, encore une fois dans un roadmap public Il n'y a pas tellement de gens qui le demandaient Et, euh, et le problème c'est que ça, ça crée Des problématiques de sécurité extrêmement fortes Alors pour vous donner une, pour D'ailleurs tu en as un peu parlé Maintenant le, le, le flux est crypté Et chiffré donc ça, c'était aussi un, un, grand, un grand bond dans, dans, dans l'avancée de Shadow. C'est dans la bêta, je crois. Tout à fait. En bêta. Donc... Alors en bêta, vous avez le, donc, tout le nouveau streamer, on appelle au capture chez nous. Euh, je vois qu'il y en a des gens qui en parlaient déjà dans le chat. Et euh, allez-y, foncez, allez le tester. Euh, C'est un, une réécriture complète de tout, toute la partie streaming, avec du chiffrement, avec beaucoup plus de possibilités. C'est ce qui va nous permettre de faire tout ce qu'on veut faire derrière, donc euh, avoir plusieurs écrans affichés, avoir euh, une qualité dynamique aussi, ce qui est annoncé dans la roadmap publique aussi, et pouvoir s'adapter à votre connexion, c'est ouais, une très très grosse avancée. Oui. Tu peux, tu peux même parler de, de certaines personnes qui sont venues tester chez nous, des, des joueurs professionnels, et qui ont dit que c'était encore plus ouf qu'avant. Je ne peux pas dire lesquels, mais de joueurs professionnels... Bah euh... ben si, on peut dire. Si, on peut dire qu'il y a Hip d'Overwatch de, de voilà. qui est venu hier et qui a, qui a retesté les dernières versions, plus les, les anciens... Les anciens euh, les anciens mmh. rédac chefs de Canard PC et de GameCult mmh. qu'on qu aime beaucoup, qui testent sans arrêt et qui disent que maintenant on peut enfin faire de la compétition sur, euh, sur, les, oh, ouais. euh, sur euh, Rainbow Six sur, euh, mmh. sur Apex sur, euh, voilà. Donc, euh, et sur Shadow et qu'on voit pas la différence bien, bien meilleur qu'avant euh, et vraiment si vous avez Alors, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut mettre à jour ses drivers NVIDIA ça on l'a déjà dit la semaine dernière mais c'est important d'avoir des drivers à jour parce que là on utilise vraiment des fonctionnalités récentes d'NVIDIA pour faire toute la partie streaming et les résultats sont vraiment très très bons c'est bien bien meilleur qu'avant et on a besoin que vous testiez que vous testiez que vous confirmiez que vraiment la partie, euh, la partie streaming sur la bêta est, est bien meilleure qu'avant et qu'on puisse l'envoyer le, à tout le monde le plus rapidement possible ça se passe déjà très très bien je crois sur la bêta euh, mais on, on a besoin de vous continuer de tester de nous donner votre avis et... Alors, je crois que j'ai fini sur les questions techniques directes, je vérifie, si vous avez d'autres questions techniques avant qu'on passe au test, et qu'on qu discute un peu de comment passer le test, et ensuite Dolby sur la 5 compétition. Ah oui, pardon, Dolby 5.1, euh, effectivement il marche en USB over IP, c'est-à-dire qu'on peut avoir le Dolby 5.1 en USB, avec, euh, avec un bon casque, pour l'instant c'est prévu pour la fin de l'année, euh, directement sur Jack non pas sur, jack sur, euh, HDMI. sur HDMI pardon en jack sur stereo toujours c'est euh, prévu pour la fin de l'année euh, par HDMI donc euh, pour l'instant ça marche déjà en USB en, en USB over IP ah oui et la réalité donc ensuite il y a les sujets de la réalité virtuelle et, euh, et le test euh, est-ce que vous avez d'autres questions techniques il y en a d'autres que j'ai loupé ou pas à quand linux euh, comme OS pour shadow c'est pas prévu prochainement euh, est-ce qu'on peut avoir utilisé deux display ports pour la shadow box je l'ai déjà parlé euh, est-ce que euh, de, un, une quantité d'énergie est consommée pendant une heure par un utilisateur Shadow quelle quantité etc en gros on consomme sur Shadow deux fois moins qu'un ordinateur gamer donc vous êtes écolo quand vous prenez Shadow félicitations Alors, uh, Greta petit, sera contente petite annonce à aussi. part du coup demain matin euh, sur le stream de NoTech il y a Raphaël qui euh, du coup participera et qui parlera un petit peu justement de comment Shadow est écolo ou non et comment le cloud gaming est écolo ou non euh, donc si ça vous intéresse euh, n'hésitez pas à regarder c'est à 8h je crois il y a vidéos UDC aussi qui arrive dans quelques semaines Ouais, une vidéo sur comment se passent nos décès qui arrive dans, dans pas longtemps. Mmh. Je continue sur les questions très rapidement. Donc en, en vrac, quand est-ce qu'on a des raccourcis clavier configurables C'est pas prévu prochainement. Euh, est-ce que l'USB va être amélioré Et en tout point, parce que l'USB over IP c'est stable, mais pas encore complètement stable et il manque encore pas mal de choses. Donc le travail sur les manettes va déjà aider beaucoup. Et il y a toujours des améliorations à faire qu'on ouais. va faire en continu sur l'USB over IP. de la même façon que la stabilité. Comme toujours, il, faut, euh, il y a des choses. Que par contre, aujourd'hui, on vous laisse. Tu on me casses complètement mon groove. Hein. Oui, J'essaie de t'aider un petit peu. Attends, ah. j'ai plus de détails à donner là-dessus des trucs cool. Euh, non, mais notamment le USB over IP. On sait déjà qu'il y a des machines qui ne pourront pas l'avoir parce que simplement, euh, ils sont trop loin du datacenter center où ils ont une latence trop élevée. Et ça, aujourd'hui, on vous informe pas, on vous dit même pas que c'est de votre faute qu'il y a un problème sur la connexion, ou en tout cas que c'est même pas de votre faute, mais qu'il y a un problème sur la connexion. Et ça, ça va arriver aussi. On va pouvoir vous le dire et vous dire voilà, c'est pas possible, vous pourrez pas avoir du USB over IP. Et ça évitera que vous vous arrachiez les cheveux en vous disant pourquoi ça marche pas Et qu'on ait tous des problèmes, alors qu'en fait, c'est simplement que la connexion ne le supporte pas. Donc ça, on pourra vous le dire directement. Alors, oui, pour les bonnes news sur la compétition, l'île laser, c'est assez à toute fin quand ça intéresse plus les gens. Là, on parle des vrais sujets importants. Est-ce qu'il sera possible d'utiliser trois écrans sur Shadow Alors techniquement, on peut. Pour l'instant, il faut, il faut mettre une interface pour ça. Donc on ne l'a pas prévu tout de suite. Parce que je pense pas que ça intéresse énormément énormément de gens tout de suite. Donc euh, techniquement, facile. Euh, il faut qu'on trouve une interface à faire. Donc ça prend un petit moment. c'est pas priorisé. Euh, Est-ce qu'on peut enfin avoir un P de fixe euh, pour, que, pour que le bouton puisse se rappeler le mot de passe sur la box oui, ça m'énerve incroyablement. Effectivement, <laughs> c'est en cours, ça va arriver avec le launcher V4. Euh, c'est en cours et c'est inadmissible que ce soit pas encore fait. Euh, et le reste, on a déjà parlé de tous les autres points. Alors, la VR, le casque à dispo sur la Ghost, on a déjà parlé de tout ça, etc. Euh, la VR, on a. Alors maintenant, il y a une grosse perte d'efficacité de, dans les bureaux parce que depuis un mois, la VR marche bien. Et donc, euh, l'Oculus Quest, on peut jouer à tous les jeux Steam via l'Oculus Quest. Mmh. Donc, euh, je pense que dans l'équipe produit euh, sur le casse de VR, il y a toujours quelqu'un qui est en train de faire l'imbécile avec. Il y a, que y a que des high scores fous sur Beat Saber. C'est est potentiellement prêt. aussi pour l'humanité. Hein, soyons clairs. Mais bon, ça marche très très bien et il y a des high scores sur sur euh, Beat Saber. Sur, sur Beat Saber. Mmh. Voilà. Alors, comment faire pour euh, utiliser l'Oculus Quest, par exemple, avec Shadow ou euh, de la VR avec Shadow Alors, c'est pas officiel. Comme c'est pas officiel, je ne vais pas le dire. Nous, on va faire quelque chose d'officiel pour la fin de l'année et qui sera, qui réduira encore un peu la latence et qui permettra d'autres trucs, mais ça, on en parlera. Là, ça marche déjà de façon non officielle. Je vous conseille d'aller sur les sites, euh, sur les forums D'Oculus, de, de demander sur le Discord. Il y a plein de gens qui le font très bien marcher. Euh, il y a plein de tutos okay. qui sont, euh, voilà. Merci euh, Elfamoso qui n'est pas officiel est non pas, plus. Il n'est pas, hein, hein, pas officiel. <rire> <rire> voilà. N'hésitez pas à regarder comment on marche euh, la VR sur Oculus, euh, sur Oculus Quest et sur d'autres euh, casques. On va faire un truc plus général qui marchera avec OpenVR pour la fin de l'année. Donc avec beaucoup plus de casques. On est aussi, entre parenthèses, en train de travailler avec HTC pour, euh, pour justement faire des trucs plus dans le B2B parce qu'ils sont très sympas. Voilà, donc ça c'est sur la, sur, la, sur la VR. Euh, D'ailleurs, de la même façon, j'avais 2-3 questions là-dessus. On lance notre partenariat avec Proximus le 1er octobre. Alors un grand grand merci à Proximus parce que c'est les premiers à nous faire confiance et à mettre Shadow directement dans les box opérateurs. Donc plus tard quand Shadow sera dans toutes les box, euh, vous pourrez dire c'est Proximus qui l'a fait en premier et c'est lui qui a eu cette super idée. Donc il tire en plus une fibre directe de leur data center de Belgique à nos data centers pour que la latence soit encore plus basse sur toute la Belgique. Donc génialissime. Euh, juste pour eux, on a décidé de lancer notre première interface TV et mobile juste pour eux euh, sur, euh, sur leur offre. Donc ils lancent ça le 1er octobre Je pense qu'ils l'ont déjà annoncé de plein de façons différentes euh, On va être inclus dans leur box Quand leur box sortira Donc je vais peut-être pas euh, dévoiler quand est-ce que leur box va sortir Mais, euh, mais alors je, je, je vous conseille Et je ne sais pas si c'est le mal ou pas Proximus, en tout cas les gens avec qui on parle, ils sont vraiment cool ouais. Ils sont vraiment cool, ils ont vraiment envie d'avancer Et on parle avec beaucoup d'ISP Avoir un ISP, qui enfin un fournisseur d'accès internet Ou euh, de téléphonie Qui avance aussi vite et qui font, qui font Quelque chose, c'est assez, euh, assez bien et, et oui, euh, ils ont annoncé des choses, on était avec eux à leur conférence de presse, ils ont annoncé des, des choses en juin, le 15 juin, c'est facile, c'est un jour avant mon anniversaire. Euh, et ils vont re-annoncer des choses maintenant. Ils lancent le premier, leur offre Proximus Epic. Voilà. Euh, ensuite. <laughs> <laughs> Mais c'est bien. En fait, il y a énormément de gens qui connaissent Proximus. C'est bien. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, quand euh, quand j'en parle autour de moi, les gens mm. connaissent euh, pas tellement. Mm. Euh, et, euh, et, et tout le monde ici connaît bien Proximus. Et mm. oui, je vous conseille. C'est une belle boîte. Euh, <laughs> <c 'est... rire> D'accord. <laughs> Écoutez, oui, nous arrêtons de lire les commentaires sur Proximus. Et, et euh, euh... ils nous en veulent pas d'avoir gagné la coupe du monde en plus. c'est mm. quand même sympa. Alors. Euh, ah, il y a une petite question qui s'est mixée mixé à l'intérieur. Shadow depuis un browser. Euh, c'est un des projets du CEO. Voilà, j'en dis pas plus. Euh, sur, donc, maintenant, sur le test. Est-ce que vous avez des questions avant encore techniques Avant de parler un peu plus du test Oui, non Ah, donc j'aime bien cette question-là, moi, parce que ça là m'intéresse. À l'époque, vous mettez l'accent sur le fait que la Shadowbox nous permettrait d'obtenir la meilleure expérience possible. Et en fait, c'est elle qui reçoit toujours les features en dernier. L'achat de box, la première. Oui. Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire, depuis un Shadow News, je vous rappelle, depuis un Shadow News en avril, on a décidé de mettre d'abord les features sur la, sur, la, sur la première box plutôt que sur la Ghost. Donc, on a privilégié la première, ghost, la première box plutôt que la Ghost. Mais c'est plus le cas. C'est plus le cas bah maintenant de plus en plus il y a de plus en plus d'utilisateurs de Ghost et de moins en moins d'utilisateurs de la première box on fait toujours en sorte de privilégier nos premiers clients parce que bah on les aime d'amour et parce que, et parce que si, cool. vous, si on est là c'est aussi c'est surtout grâce à vous donc on va continuer mais on va plus essayer de privilégier maintenant dans les nouvelles offres de voir comment vous allez être les premiers à accéder par exemple aux tests qu'on fait comme ça mmh. ou, euh, ou à des tests sur des nouvelles configurations ou des trucs un peu sympathiques. De cette façon-là, plutôt que d'essayer de prendre beaucoup de développeurs pour développer des features sur une box qui, euh, qui va affecter moins de monde. Et puis... Elles viendront tout le temps. C'est-à-dire qu'on va jamais faire en sorte que euh, la box arrive euh, bien derrière ou il mmh. y a des, des événements qui ne soient pas faits sur, euh, sur la box. Mais quand même. Toujours pas 4G sur le RERA. Je suis en train de travailler dessus. Mmh. <laughs> Euh, je devrais avoir ça dans une semaine. Oui. Et personnellement, Désolé. je prends l'erreur à tous les jours et c'est vrai que c'est une catastrophe. Je compatis. Alors, quoi d'autre comme question J'ai été sélectionné pour les tests. C'est trop cool. Effectivement, on va en parler. Une date approximative. Je ne sais pas de quoi. Euh, Est-ce qu'il y aura une IA pour la qualité d'image Le mec, il sait exactement ce qu'on est en train de faire. Hein. Est-ce qu'il y aura une IA pour la qualité d'image Oui, évidemment. Mmh. <laughs> non. Mmh. Euh, non. Alors, William ne travaille pas là-dessus. Mmh. Qu'on soit bien clair. Et toute rumeur sur laquelle il y aurait des tests d'intelligence de, artificielle chez Shadow est évidemment complètement erronée. Mmh. On a plein de cartes graphiques, ça serait idiot de faire de l'intelligence artificielle dessus. L'ouverture des ports sur Shadow, euh, c'est toujours dans la roadmap, mais plutôt pour début d'année prochaine, ces questions-là. Alors, « Tearing sur la Shadow Ghost, à quand un vrai fixe ?» Effectivement. Alors, là, je, je ne sais pas. Ça prend du temps, mais je sais qu'ils sont en train de travailler dessus. Oui, C'est je... une des priorités. Euh, ouais. Refaire un nouvel, ce qu'on appelle un nouvel round d'horreur sur euh, la Ghost pour justement retirer ce tiering. Mmh. Ils sont en train de travailler dessus. Et je pense qu'on euh, si, euh, vous offre un cookie direct si vous arrivez à le reproduire à 100%. Parce qu'on a vraiment des, beaucoup de difficultés à reproduire vraiment à tous les coups le tiering sur la Ghost. C'est très difficile. Et euh, ouais, voilà exactement. Très bonne réponse, Papyrine, qui connaît tout. Ok. <laughs> euh... Je tiens à vous dire que vous... merci. Toi aussi, tu es génial. Tu es génial. Euh... Il faut que j'arrive à le faire là qui nous arrive. Mm. Ça fait vachement mieux. Mm. Euh... On va parler donc maintenant du test. Alors, il y avait pas mal de questions. On a présenté le test. Mm. Certains d'entre vous ont reçu un mail. Donc, il y a déjà 400 personnes qui ont reçu un mail. C'est ça, Victor euh, À peu près ça. Oui. Peu près ça. Oui. Il va y en avoir encore une fois. Il y en a, il y en a plein d'autres mails qui vont être lancé la semaine prochaine. Donc, si vous n'avez pas reçu un mail maintenant, mais que vous êtes inscrit dans le, lors du dernier Shadow News, vous allez bientôt recevoir le mail, probablement la semaine prochaine. Donc, euh, donc ça ne veut pas dire que vous ne faites pas partie du test. Si la semaine prochaine, vous recevez pas non plus de mail, là, il est probable que vous n'êtes pas dans le test. Et dans ce cas-là, il y aura une, euh, une relance pour euh, d'autres personnes sur le test, probablement d'ici trois euh, semaines, quatre semaines, quand euh, les premiers tests auront débuté. Mais... Euh... J'aime bien vos mes messages, ils sont cool. Mmh. Euh, mais euh, voilà voilà le principe. Donc, vous allez, il y aura pas mal de mails qui vont être envoyés, encore à peu près le même nombre la semaine prochaine. Donc, si vous n'avez pas eu de mail vous indiquant vous faites partie du test, c'est pas grave, vous en, aurez, euh, vous en aurez probablement la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez donner dans le chat le, euh, le titre du mail pour être sûr que tout le monde l'est Du coup, parce que je n'ai pas le titre du mail tout de suite là euh... World of Config Battle for Hardware. World of. <laughs> oui, le nom, donc, c'est World of Config Battle for Hardware. Ça va être ça le titre du mail. Et honnêtement, félicitations Gary, tu fais partie des élus. Alors, il n'y a pas écrit Gary, il y a écrit quelqu'un d'autre. Hein, ou Alexis, pareil, il faut mettre le bon nom derrière. Mais c'est exactement ça, merci. Donc, vous faites partie des élus. Les élus, parce que vous allez pouvoir rentrer dans le Battle for Hardware. Alors, il y avait plusieurs questions sur le test, je les reprends. Euh, en quoi consiste le test des nouvelles configs et pourquoi ce sera un Battle alors, ce sera un battle parce que, en fait, et, et ça va revenir sur la, sur la nature du test. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour ce test On n'a pas besoin de tester si on veut les acheter ou pas, on sait que c'est les bonnes configurations. Ou à peu près les bonnes configurations, on est à peu près clean là-dessus. On a déjà fait nos tests avec plein d'autres personnes, on sait à peu près les configurations qu'on veut prendre. Ce qu'on a besoin de tester, c'est combien exactement elles consomment en électricité combien exactement les gens les utilisent pour voir la durée de vie de chacune des cartes dans le data center pour voir toutes ces choses-là et de le faire avec nos partenaires. C'est très important. Donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'on ait des gens qui ont une utilisation classique du shadow, pour pouvoir montrer que plus tard, quand on lancera les offres euh, directement pour tout le monde, ben, on puisse savoir la bonne consommation électrique, qu'on puisse savoir la bonne, la bonne durée des, des cartes et des, euh, et des processeurs et dans quelle, dans quelle mesure on va devoir les remplacer, dans quelle mesure ils vont tomber en panne, etc. C'est pour ça que le test est d'abord un peu long, c'est-à-dire sur une longue période. Ça ne change rien avec les annonces, ça ne change rien avec tout ça. Probablement, les annonces vont se faire en plein milieu du test, mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il nous faut absolument des gens qui l'utilisent de façon continue. C'est pour ça qu'on a désactivé Pour les gens qui veulent prendre le test Qu'ils n'ont plus accès à leur Shadow principal Parce que si on leur donne accès à leur Shadow principal Le problème c'est qu'ils vont souvent revenir vers leur Shadow principal Pour utiliser, pour utiliser leurs jeux qui sont déjà installés Ou d'autres choses enfin, Et revenir sur le test de temps en temps On ne veut absolument pas ça, on veut que des gens qui l'utilisent à fond Donc s'il vous plaît, utilisez-le à fond Et utilisez-le comme vous utiliserez votre Shadow De façon habituelle C'est pas vrai, c'est même pas à fond C'est vraiment comme vous utilisez votre Shadow habituel c'est ça réellement qu'on veut tester. C'est l'usage quotidien. Alors pour avoir un usage quotidien et pour en plus entraîner un petit peu, savoir comment ça se passe, etc. Et pour amuser un petit peu parce que quand même autrement on, on, on est un peu parti gamer de, dans le principe. L'idée c'était de dire on, va, on a euh, 700 personnes à peu près, on va les réunir en trois guildes. Ces trois guildes vont s'affronter sur plusieurs jeux et ce qui va permettre de donner d'encourager les gens à les utiliser, à faire des choses, etc. Donc euh, c'est plus parce que nous, ça, faisait, ça nous faisait marrer en interne. Voilà. Donc si on a une bonne occasion de se marier en interne, je vois pas pourquoi on ne le ferait pas. D'ailleurs, je vous conseille de regarder mon, notre challenge, le, le Next 40 Challenge sur Twitter, qui a été lancé par une des boîtes du Next 40, nous. Voilà. Et euh, c'est juste des choses comme ça. On aime bien. Ça nous fait marrer et c'est pas très, très intéressant. Euh... Ça parle pas mal de stockage et notamment de la question de, des gens qui ont leurs données et qui après vont partir sur le test Qu'est-ce qui se passe de leurs données euh, Est-ce qu'on met tout à la poubelle Est-ce qu'on qu donne tout à Victor pour qu'il fasse joujou avec et qu'il regarde non. ce qui se passe dans les ordinateurs Non. Est-ce qu'on les pas vend à la, à la NSA oui, Non, euh, non plus. Bon, non, en fait, c'est tout bête. Votre votre shadow, votre stockage et vos données sont sont mis en hibernation et donc euh, elles sont préservées. Elles ne bougent pas le temps du test. Et à tout moment, vous pouvez sortir du test, mais vous pouvez ne sortir qu'une qu fois. Quand vous sortez, vous ne re rentrez jamais. À tout moment, vous pouvez sortir du test et euh, vous récupérez votre shadow, votre stockage additionnel, euh, toutes ces choses-là. Par contre, c'est comme dans les mauvaises boîtes de province, hein, euh, toute sortie est définitive. Exactement. <laughs> voilà, donc quand vous voulez, euh, vous pouvez. Euh... Je n'ai pas fait un lapsus pour dire oui à la NSA. <laughs> je confondais. Je pensais qu'il me demandait le FBI, donc c'est pour ça que je disais oui. Mais la NSA, euh, non. Mais évidemment, non. Voilà. Donc, j'espère que c'est assez clair. C'est euh, vous venez, vous tester vous pouvez partir quand vous voulez. De toute façon, d'ailleurs, quand vous partez, ça libère une place pour d'autres personnes qui ont un peu envie de tester. Mmh. Et, euh, et euh, mais quand vous arrivez, bah il se passe des choses un peu sympas. Et je laisse le marketing et ceux qui sont les élus découvrir ça. Encore une fois, c'est l'aventure. Le, le gros point, c'est que les gens qui testent n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à dire à quel point vous aimez les configs ou pas, et vous pouvez dire s'il y a du RTI, des RTX, des choses comme ça. Mmh. Euh, voilà. Alors On en vrai, ta formule la dernière je reprends fois, ça. Les gens sont sous Ils Et mais pas en parler. <laughs> Ils peuvent en parler à fond. <laughs> vous vous êtes sous mais vous pouvez en parler à fond. Alors encore une fois, euh, RTX, je peux déjà répondre à la question. Oui. Alors, et oui, sur les trois configs, a priori. Est-ce que la config la plus basse permet de jouer à des jeux récents quand même Alors la config, c'est ce qu'on avait dit, la config la plus basse est au moins aussi bonne, voire meilleure que la config que vous avez maintenant. Ce, je vais pas lire cette question-là. Ok Donc je redis, la config, c'est ce que Victor a dit plusieurs fois, la config la plus basse est au moins aussi bonne, voire meilleure que les configs de Shadow maintenant. Est -ce Ça c'est pour la config la plus basse. Est-ce qu'il y a des différences de type de stockage entre les trois configs Alors. Je ne dis rien. Tout ça, encore une fois, on va faire une conférence de presse. Vous allez le voir pendant le test, mais toutes ces questions-là, toutes les questions sur la config, sur le prix, sur le stockage, sur toutes ces choses-là, on va faire une conférence de presse fin octobre, début novembre, pour parler de tout ça. Euh, et pour les récaps sur le, le UK et US et, et l'Allemagne, euh, je vais commencer, je vais faire des shadow news en UK et allemand et US également. Donc on va commencer à, à sortir tout ça. Les sites de cul sont autorisés. Pourquoi interdit Vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Ça ne nous concerne pas. On aura une chaîne Discord pour faire des retours. C'est possible. Oui. Non, je crois qu'il y a même, qu même un Discord. Il y aura un Discord, entier. Aura entier. Un Discord entier pour ceux qui pour euh... les factions pour que vous puissiez vous affronter. Exactement. Pour tous ceux qui testent, il y aura un Discord entier là où vous pourrez discuter justement dans, dans tous les sens. Parce que ça va être la guerre, c'est tout ce que je peux te dire. Alors, voilà. comment gérer votre frustration en fin de test On va peut-être pas euh, justement. On verra à ce moment-là. Mais il euh, y a pas mal de choses qui se passent sur la fin de l'année et pas mal de choses euh, début de l'année prochaine. Donc, à mon avis, là, vous allez pas mal entendre parler de Shadow. On a, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on a un super produit qu'il faut améliorer, mais on a un super produit. Autant euh, l'année dernière, il y a deux ans, merci d'être resté pour ceux qui étaient encore là. Euh, vous avez vu toute l'amélioration. Maintenant, on a un super produit. On est extrêmement bien placé par rapport à toutes les compétitions possibles et imaginables. Euh, à nous de commencer à faire parler de nous et faire parler de nous fort. Et si on devait Donc, noter notre communauté C'est une question Si on devait noter notre communauté sur, euh... sur 10. Sur 10, mm. ben, je mettrais euh, 11,433. Ah, C'est ouais, le nombre de personnes. Ils sont, ils ils personnes personnes encore, que... ils sont encore à 12. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre Shadow ou Stadia ben, Shadow, évidemment. Enfin, qui, qui pose la question Mais testez les deux. En vrai, il y aura peut-être des jeux sympas là-dessus. Euh. Au sujet de la petite soirée adopt -un Dev vous avez une date pour la soirée reportée. Alors effectivement, il y avait une grande soirée adopt -un Dev qu'on a reportée pour plein de raisons qu'on vous donnera plus tard. Je pense qu'on va faire une, une, une contre-soirée pour les gens qu on, qui ont été reportés de d'Adopt-Indev. Euh, ça ne sera rien à voir, mais c'est une soirée entre les gens qui avaient été invités et qui en plus pourront apporter un CV. Donc voilà. Donc euh, c'est une soirée adopt -un Dev en fait euh, qui sera une nouvelle soirée adopt -un Dev dans pas très très longtemps. On va vous, on est en train de préparer ça. Il y avait une question sur comment vont se passer l'attribution des configs pendant le test. Ben en fait, c'est l'idée, c'est vraiment le, les factions, justement, la guerre. Et je ne vais pas spoiler, mais c'est là que vous allez vous marrer. Exactement. C'est vraiment le but, c'est que ce soit un truc sympa avec, avec la communauté. Quand est-ce voilà. qu'on commence les tests Alors, quand est-ce qu'on commence les tests Les tests commencent la semaine prochaine, je crois, à peu près. C'est ça Je ne pas la date exacte, mais je pense que c'est ça. C'est à peu près par là, quoi. C'est à peu près dans le zone de la semaine prochaine. Par là. Une application Windows Phone est prévue, ça existe encore. Mais c'est Victor qui la développe. Ah, c'est Victor qui développe l'application Windows Phone. Tant mieux, parce que c'est un, un, peu, un peu intéressant. Allez, encore trois questions, et puis ensuite je vais parler des dernières questions sur la boîte, donc ce ne sera plus du tout technique. C'est juste du truc un peu plus sympa. Enfin, un peu plus sympa, ça dépend si. Que penses-tu du torrenting sur Shadow du quoi Du torrenting, le fait de partager des torrents, de télécharger des fichiers de torrent. Et bien bah, euh, maintenant vous faites comme vous voulez, ça a été un gros problème pendant un moment, ça nous a obligé, si vous avez votre upload qui est limité, donc il y, y avait une question là-dessus mmh. qui est euh, est-ce qu'on peut revenir à un upload qui est du 1 gigabit symétrique mmh. euh, En fait, si vous aviez votre download qui est limité, c'est qu'il y a plein de gens qui utilisaient Shadow pour faire, euh, pour faire ça, et ça nous bouffait toute la bande passante. Parce qu'il y a plein de gens qui utilisaient à fond et toute la journée le 1 gigabit en upload pour, pour envoyer des trucs partout. Euh, donc, non, non, plutôt pas. Et donc, le, moyen, le meilleur moyen de, de limiter ça, ça a été de limiter l'upload à 100 mégabits. C'est triste, mais au moins, il a, les gens ont pris une, une utilisation complètement normale. Donc, peut-être qu'un jour, on le, on, on le remontera un petit peu pour voir ce que ça donne. Euh, mais pour l'instant, c'est pas. pour l'instant En vrai, 100 mégabits d'upload, c'est pas si mal, quoi. Pas de partenariat avec le Z Event. Bah, non, ils ont préféré l'Institut Pasteur. Je trouve que c'était... C'est <laughs> <drôle. rire> moche. Euh, c'est génial ce qu'ils ont fait. C'est génial excellent. ce qu'ils ont fait. On travaille beaucoup d'entre eux. C'est génial ce qu'ils ont fait. Et c'est tout ce qu'on ont donné, bravo. Cœur pour vous. Euh, alors... Donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question Est-ce qu'il y aura des euh. jeux préinstallés sur les tests est-ce qu'il y aura des jeux préinstallés pour les tests Je crois pas. Non, le but c'est que vous installiez pas. ce que vous, non, vous voulez. Euh, non, mais bon. Il, il existe 2-3 jeux gratuits, euh, pour ceux qui veulent, qui vont être, euh, qui vont être euh, obligatoires sur le test. Donc euh, je vous laisse découvrir ça. Moi je trouve qu'on ne communique pas assez sur l'impact de vos serveurs sur l'environnement. Oui, surtout que j'étais euh, à l'Elysée dernièrement euh, à la conférence du Tech40 avec John Kerry et, euh, ce qui est vrai en plus, et euh, la vice-présidente d'Apple et euh, le CEO de HP pour parler de ça. On était une douzaine hein, entre nous pour parler de ces sujets. Et je peux dire que... Euh, bah, c'est green, c'est super green. Euh, <laughs> voilà, on a pris des grosses décisions qui allaient changer le monde. Hein fake, On n'a pas pris de grosses décisions malheureusement qu'elle allait changer le monde. Euh, C'est dommage parce qu'il y avait effectivement euh, les plus belles boîtes du monde qui étaient réunies dans une même salle. C'était génial euh, et nous, hein, qui étions un peu plus petits et euh, voilà. Et, et malheureusement, il y a beaucoup beaucoup de bonne volonté, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire avant de prendre des vraies décisions euh, dans les très grosses boîtes pour, euh, pour décider d'arrêter de, de faire un nouveau smartphone tous les ans ou d'arrêter de faire un nouveau euh, euh, de, de faire plein de déchets euh, dans les trucs. Voilà. Euh, on continue le combat et, euh, et effectivement, Shadow, c'est quand même super green. Euh, c'est super green, on pourra communiquer dessus et euh, Raphaël va, va ouais, communiquer demain dessus. Demain matin chez Jérôme, Notech, euh, Voilà, donc Raphaël, en exclusivité chez Jérôme, Notech TV, je vous conseille, les deux sont géniaux. Euh, et, et à part ça, John Kerry est top sim. Voilà, même s'il a perdu les élections américaines. Donc, euh, encore une ou deux questions vous serez à la Paris Games Week c'est ça le message que fait que fait euh, Victor en général oui, fait. On ne sait pas encore si on sera à Paris Games Week. Est-ce que Victor, on sera à Paris Games Week aucune idée. On ne sait pas. On ne sait pas du tout si on sera à Paris Games Week. Voilà. Donc euh, donc aucune idée pour l'instant. Et c'est pas, on ne dit pas, c'est on ne sait pas. Voilà, on est en train de discuter avec eux, on est en train de regarder ce qu'on peut faire, on est en train de regarder si ça, sert, ça nous sert à quelque chose, on est en train de regarder si ça match bien avec les annonces qu'on veut faire ou s'ils veulent faire nos annonces comme l'année dernière, plutôt un peu après. Euh, laissez la police faire son travail et croyez bien que dès que nous aurons de plus en plus d'informations, vous, vous en serez le premier informé. Voilà. Euh, ensuite, ah non, non, euh, le, il faut un PC chez nous, tout ça pour l'environnement. Encore une fois, regardez Raphaël demain, c'est euh, ce qu'il y a de mieux pour regarder pourquoi et Shadow c'est bien pour l'environnement. Comment va Zou ben, Zou va bien, euh, euh, mais, euh, mais vous lui fait, manquez. Vous lui manquez, mais il fait beau. Euh, oui. il, fait, il fait beau 360 jours par an, donc évidemment qu'elle va bien. Donc il y a un certain nombre de, de personnes chez, chez Shadow qui ont décidé de travailler à Silicon Valley, à Palo Alto, dans la, ce qu'on appelle la baie de San Francisco. Et apparemment, ils nous disent Oui, on nous manque, c'est dommage, pour l'instant, on est juste pour aller au bureau, on traverse des forêts avec des écureuils à l'intérieur. Ah non, le bureau est à 5 minutes. Donc voilà, donc c'est pas exactement la même vie. Donc euh, oui, oui, euh, vous, lui, vous lui manquez beaucoup, mais quand même. Euh, elle est, elle, je crois qu'elle est quand même assez heureuse, <laughs> en, en vrai. Euh, et sur l'île laser, question sur l'île laser, quand est-ce que ça avance ben, En fait, je ne sais pas si vous avez plus ou moins remarqué, euh, ça, fait, ça fait deux semaines que je suis revenu sur les plans de l'île laser, que je suis revenu complètement opérationnel dans la boîte, que je suis revenu euh, sur le développement, que je suis revenu sur tous ces sujets, ça fait un bien fou. Voilà. On a, on a finalisé tout un long truc qu'on faisait pour Shadow, qui, est, qui, qui permet d'avancer maintenant. Donc je suis hyper content. On a signé des partenariats énormes dont on parlera. Donc oui, l'île laser, on peut enfin s'y remettre sérieusement. Voilà. La question sur Ives, elle est là. Et oui, la question sur Hive, on n'a pas parlé Hive, c'est mon projet euh, fétiche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ok, je, je, je pensais que j'allais arrêter là, mais en fait, on va reprendre trois minutes. <laughs> qu'est-ce qui s'est passé sur Hive On a fait une démonstration l'année dernière avec plein de trucs qu'on mettait dans tous les sens pour dire ça marche bien, regardez, c'est Hive. Euh, c est, euh, on est capable d'avoir des nouveaux effets quand on joue euh, à, euh, à des jeux de voiture, quand on joue à… Euh, euh, voilà, il y avait plein de choses. Mais on n'était pas encore complètement satisfait. De, on, a, on avait toujours la question ok, c'est fun, mais à quoi ça sert réellement euh, Je veux dire, avoir un mode bourré quand tu, tu joues à, à Trackmania, c'est chouette, mais à quoi ça sert réellement Et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont trouver ça complètement cool. Et ce qu'on a trouvé vraiment cool, c'était euh, le, le, le truc, ce qu'on appelle le picture in picture, c'est-à-dire le fait de pouvoir partager son écran, partager le son, ce qui existe déjà sur d'autres systèmes, mais vraiment en direct. Et euh, comme si la personne était à côté de nous. Et se partager ses contrôles hyper rapidement, de s'envoyer des écrans, de s'envoyer des trucs. Donc, on a beaucoup plus travaillé là-dessus pour commencer à faire ce qu'on appelle du co-gaming ou du co-working. Donc, on a développé des features là-dessus qui permettent effectivement de jouer à plusieurs sur le même jeu de partager son écran quand toi tu joues à un jeu et quelqu'un joue à un autre jeu et qu'on voit euh, qu'on voit chacun ce qu'on qu fait de pouvoir communiquer sur l'écran de l'autre de pinguer l'autre un peu ce qu'on voit aussi sur Stadia d'ailleurs mmh. de pouvoir pinguer sur l'écran de l'autre sauf que c'est pas pas mis que sur un jeu c'est mis sur tout, tout le puisque euh, puisque Shadow ça permet pas de faire juste un jeu donc c'est mis sur tout le système donc on avait plein de features hyper sympa donc on a une démo Alors, si vous passez au bureau on pourra vous la montrer on a une, dé une démo super sympa sur Hive etc mais là ce qui se passe c'est que pour lancer une feature comme ça qui marche bien il faut se mettre d'accord avec les éditeurs, parce que tout le monde c'est du cheat. Donc on a commencé à discuter avec les éditeurs, et ça, ça prend un peu plus de temps. Il faut que les éditeurs trouvent notre fonctionnalité super cool, mais il faut savoir dans quelle mesure ça ne devient pas du cheat, et dans quelle mesure on peut la désactiver pour certains jeux. Et donc on est en train de se poser la question, comment on va le lancer Donc oui, c'est dans les bacs, c'est pratiquement fini de développer, on a une démo qui marche super bien, on l'utilise pour commencer à développer avec les éditeurs et discuter avec eux. Il y a une vraie question de stratégiquement maintenant, comment on le pousse Donc on est en train de se poser ça comme question. Donc, dès qu'on aura décidé comment on le pousse, on vous le dit. Et puis, euh, on fera sans doute aussi euh, dans, les, dans, les, dans les mois à venir, euh, pourquoi pas, aller interroger la communauté pour leur demander leur avis, voir ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, si vous avez des idées. Euh, Alors, Shadow Beyond, c'est euh, fini, hein. ça s'appelle Shadow Au-delà maintenant. Mmh. On est revenu sur une version très très française, et c'est typiquement ce qu'on lance avec Proximus en beaucoup mieux. Donc, Shadow Beyond, tu vas le voir, voir revenir très rapidement et en beaucoup beaucoup mieux. Voilà! Euh... Merci à fond. C'est euh, euh, Encore une fois, je vois plein de questions sur le stockage. Ce n'est pas évité. Je l'ai déjà dit dès le départ. Euh, le stockage, on en parlera à la conférence de presse qui se déroulera entre fin octobre et début novembre. Pas avant. Comme, la, comme les nouvelles configurations et comme les nouveaux prix. Désolé pour. Euh, il faudra encore de la patience là-dessus. Euh, J'espère que c'est clair. Je vous fais des gros bisous. Merci. Et puis, à probablement la semaine prochaine. Surtout, euh, non, pardon, dans deux semaines pour euh, la livraison des Ghosts. Merci à tous. Merci, tous.